Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le week-end de l'obstacle qui continue et qui bat son plein avec des belles épreuves qui ont lieu samedi. Ce dimanche, deux groupes 1 à l'affiche avec notamment le prix de la Jousselin. N'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook, il y a un concours mis en place avec un bon de Paris à gagner si vous trouvez les deux premiers. Voilà, rendez-vous sur notre page Facebook pour plus d'informations et pourquoi pas remporter ce bon de Paris. Nous, on va s'intéresser à notre quintet plus du dimanche avec un handicap réservé à des chevaux âgés de 5 ans et plus. Ce sera sur les haies, 3600 mètres à parcourir. Et dans cette compétition, je n'ai pas hésité à retenir en tête Silver Axe, le top weight de cette compétition. C'est un cheval qui reste sur une belle deuxième place. C'était sur 3900 mètres. Auparavant, il avait remporté son handicap sur le parcours qui nous intéresse, 3600 mètres. Il a prouvé qu'il était encore compétitif malgré la pénalisation au poids. C'est un cheval qui, en général, est en forme à cette période de l'année. Il nous l'a prouvé et chaque année, en général, il réalise de belles performances à cette période-là. Donc malgré le poids, je pense qu'il est capable d'enlever une nouvelle fois un handicap. En tout cas, je l'ai retenu en tête. J'y crois dur comme fer. Mon deuxième cheval sera Astre de Ballon. C'est un cheval qui a vu sa valeur augmenter cet été. Il était en 51, il est passé en 59 suite à deux succès au niveau des handicaps. Il avait d'abord gagné à Clairefontaine sur 3600 mètres avant de confirmer à Auteuil sur le parcours qui nous intéresse, 3600 mètres également. La dernière fois, il n'a pu faire mieux que 7e, c'était sur 3900 mètres. C'est vrai qu'avec le poids supplémentaire, sa marge est moins grande. Hein. C'est vrai que 7e, c'est peut-être pas top. Mais là, le cheval revient sur un parcours qui va lui plaire, 3600 mètres. J'ai vraiment l'impression que c'est sa distance de prédilection. En tout cas, je leur prends confiance. Je pense qu'il est capable encore de bien faire malgré le poids supplémentaire. Peut-être pas pour gagner, mais en tout cas pour être dans les 3-4 premiers. Moi, je lui fais confiance. Mon troisième cheval, ce sera News Reel, un concurrent qui prend 64 de valeur. Lui aussi est pris haut sur l'échelle des valeurs. Maintenant, c'est un cheval qui a la particularité de rester sur des tentatives en steeple. Là, il revient en haie. L'an passé, à même époque, il luttait avec Silver Axe sur les balais. Donc voilà, c'est un cheval qui a fait ses preuves à ce niveau-là sur les balais avec des chevaux qui ont une première chance à défendre dans cette compétition. Donc je me dis pourquoi pas, ça veut dire ça va lui changer les idées. C'est vrai que la dernière fois, il a été arrêté en steeple. Le cheval va peut-être être mieux en haie, en tout cas, si son entourage décide de le remettre sur les balais. Moi, j'ai confiance et je vais le suivre également. Et j'en attends un bon comportement. Je vous laisse comme d'habitude avec notre sélection à chiffrer en bas de votre écran. Moi, je vous retrouve dès lundi pour de nouvelles aventures. Merci encore de votre fidélité et de votre confiance. Je vous souhaite vraiment de bons jeux à tous et une bonne fin de week-end. Bye bye.